Coucou les Dukivistes, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle randonnée, non pas cette fois-ci en Alsace, mais bel et bien dans la Lorraine, et plus précisément dans le département des Vosges. Je suis plus précisément au Saut des Cuves, donc à Gérardmer, qui se trouve juste ici, sur le plan. Et c'est une randonnée sur le thème des cascades et des rivières. Alors parmi les cascades que l'on va croiser, il y a bien évidemment le saut de la Bourrique, qui est un incontournable justement de Gérardmer, mais aussi le saut des Cuves, qui est notre point de départ. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une agréable vidéo. J'espère que vous allez aimer et l'apprécier, cette randonnée qui fera environ 26 km pour plus de 1000 mètres de dénivelé quand même. Et n'hésitez pas donc à la partager. Allez, ciao! Alors, on commence déjà la randonnée par le saut des Cuves qui est situé à même pas 100 mètres du parking. Nous dominons la ville de Zorruc-Longemer. Nous arrivons presque au Saint-Jacques-du-Barat. Le sommet est un peu plus à gauche. Et donc là on a fait 400 mètres de dénivelé positif, c'est la fin de la première côte. Et donc là on va redescendre vers une aire de pique-nique où je fais une petite pause. Donc nous sommes désormais arrivés à la chambre Francis, qui est en fait une station de ski. Et comme vous voyez, il y a encore des gens qui font de la luge sur cette piste. Et là, nous arrivons à la station ski de la Moselaine. Première vue sur le lac de Gérardmer. Et voilà, après une petite demi-heure de marche depuis la dernière station de ski, nous sommes à la petite chapelle Notre-Dame de la Creuse. Et voilà, le saut de la Bourrique. Donc voilà, nous sommes un peu plus à la moitié du parcours. Et voici donc la cascade de Médel, qui sera donc la dernière cascade avant le retour au point de départ. Donc nous voilà au bord du lac de Gérardmer, avec, on voit à gauche, ce qu'il va falloir monter sur 300 mètres de dénivelé, et avant de redescendre de l'autre côté de la montagne. Et tout au fond,
On voit la ville qui est à 2 km à vol d'oiseau. On arrive à la fin de la dernière côte, le plus dur est fait, 1200 mètres de dénivelé avalé depuis le départ. On arrive devant un pont particulièrement remarquable et qui signe donc la fin de la randonnée. Bon les amis, alors du coup donc c'est le moment de faire un bilan. Donc très très belle randonnée, très sportive puisqu'elle fait 25 km et 1100 mètres de dénivelé. Bon pour le dénivelé j'ai raccourci un peu puisqu'elle était un peu juste au niveau du temps. Donc là, j'arrive à Gérard Mer, il est vers 16h30. Donc, du coup, timing parfait. Et donc, oui, il y a plein de choses à voir, en particulier le lac de Gérard Mer, bien entendu. Mais il y a aussi la forêt qui en elle-même est très belle. En hiver, c'est l'idéal pour les stations de ski. Donc, si vous voulez faire une séance de luge ou de ski, c'est tout à fait possible. Donc, il y a aussi surtout pas mal de rivières. Qui sont toutes très jolies, la première étant celle qui alimente le sol des cuves. Donc du coup, vraiment, je recommande à 1000%. Mais j'avoue qu'il faut être un peu préparé. Donc sur ce, je vous souhaite de faire d'agréables randonnées. Et comme on dit en créole réunionnais, au revoir à toutes, à bientôt. Et en alsacien, schmutz. Bye.